Quand on est trop loin des villes, j'ai cru reconnaître la belette derrière. Que c'est dégueulasse. J'ai rien contre la FM, mais quand c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. La propague est en train de monter là. Oh oui, c'est bien possible. Pourtant, de l'activité derrière, c'est pas que du QRM. Ah, je vais pousser le DSP au maximum. Ouais. Position 6. Non, il y a encore trop de bruit d'eau. Hop. Comme dit Gilles, c'est dans le fond de la boîte. Le fond, il est peut-être un peu percé, là. De relancer la vidéo, il y a eu un appel là, pour une autre station, quelqu'un qui appelait Billy24. J'ai pas eu le temps de reconnaître qui c'était. Putain. Faut dire que là, je suis loin de tout aussi, hein. Et je suis dans une cuvette en plus. Bah, tant pis. Ouais, on sait tout à l'heure. Ouh, c'est monté à 100 trucs au neuf, là. Rocky. J'ai entendu le QRZ de l'OM. Et 73 Rocky. Désolé, je suis un peu pris là.
Ouais, je suis en train de travailler là, de la vidéo. Donc, faut pas être partout. Si je commence à tout mélanger, alors là, ça va plus, là. Pour le coup, j'ai bugué. Bon, alors. Eh ouais, c'est comme à la pêche. Faut être patient. Hop, t'es. Oh, il y a un mélange de stations d'AM et de stations FM. Eh, les mecs en FM, le 19, c'est qu'en AM, hachi. C'est bon à perturber, ça. Ah, zut. Il y a des habitués qui sont là, on les entend derrière, mais... Ah, ils sont en AM, mais bon... Zut, trop loin. J'ai entendu du multibip. Là, cet après-midi, ça va y aller à foison. Ah bah alors là, c'est monté d'un coup. Midi 25. Et zué ça. Ouais, bon là, c'est encore un peu tôt. Quoi. Parce que vu le décalage horaire, pas dès le matin pour eux. Ouais, c'est encore un peu limite là, vu l'heure, pour eux. Donc là, c'est peut-être plus les 1000 pattes aux États-Unis qui passent dans le lointain. Putain, mais tout à l'heure, là, juste avant que je réenclenche la vidéo, la petite vidéo, ça s'est bien monté, quoi.
C'est un très bon signe pour tout à l'heure. Yes, yes, yes. C'est bien parti. Maintenant, il faut que ça monte de ce côté-ci. Vient de s'ouvrir, le deuxième coup que je viens d'entendre. Les 73-51, Gilles, comment vas-tu? Waouh! Pour être dans le fond de la boîte, c'est dans le fond de la boîte. Ah, ça! J'ai entendu ton Roger Bip déjà là tout à l'heure, mais sur le web SDR de Montréal-Laval. Et rien de mon côté. D'ailleurs, je te l'ai mis en message perso. Et là, hop, deux Roger Bip coup sur coup. Hop, c'est bon ça. Wow, il est où? Allez, il est tombé de sa chaise. Alors là, pour être QRP, bon ben là, pour être QRP, c'est QRP là pour le coup. Rien n'est passé là de mon côté, même pas le Roger VIP. Là, ça commence tout juste là à s'ouvrir. Alors ici, ah ben oui, on voit l'heure en haut à gauche de la vidéo en plus. Il est 15h55, bientôt 16h. Ouais, c'est vrai que là, il n'y a pas si longtemps que ça, comme tu disais hier. Ça faisait déjà deux bonnes heures qu'on était avec le Québec. On voit l'évolution là au niveau propag. Il faut vraiment que je règle ce problème avec le HP. Ah là, ça monte un petit peu par contre toi là. Là oui, je vois le changement. Alors, je l'ai montré dans la vidéo d'hier. Je le remonte là aujourd'hui. Les retours comme ça dans l'UHP, il y a une solution. La voici. Il faut seulement que je trouve la diode. Voilà, là on voit bien la référence là. Je suis pas assez près. Hey, je pensais pas que la caméra allait pouvoir faire la mise au point à ce point-là. Voilà, pour stopper les retours comme ça dans les HP. Puis comme j'ai un petit souci de tos, là à nouveau, hein, c'était disparu, c'est revenu. Donc ça crée des petites perturbations qui font que... Donc voici la bidouille. Dis donc, hier au niveau vidéo, t'as fait très fort encore. Hein. Bon, je passe en QRX, je reviens.
Attention, 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 3301. Heureux, je viens d'aller faire comme les petits enfants, le 4 heures. Ah si, je t'ai envoyé le bonjour tout à l'heure, me revoilà à nouveau. Et là, j'ai le cappuccino là, qui est à côté de moi. Ah si. Bon, en tout cas, tout à l'heure, là, avant que la porte s'ouvre, je faisais déjà les grandes oreilles là, sur le web SDR de Montréal. Et il y avait des bruits bizarres dessus. Hein, ça faisait comme des sons, comme si c'était du son spatial, des trucs comme ça, quoi. Le son des planètes, des trucs dans le genre. C'est des fois quand je me promène sur certains sites astronomiques, trucs comme ça, qui mettent des bandes son, là ça faisait pareil. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce truc? Oh. C'est tout ce qu'on dit, c'est fort maintenant, hein? Elle est fort la propagation. Là. Je ne sais pas si les vacances ont été très heureux pour elle, mais elle est très fort. Putain, mais la vache, oui, tu m'arrives à Santiago 8. Oui, c'est du 58 là, ici, là. Ah, là, la porte est grande ouverte, là, il y a même un sacré courant d'air. Ok Denis, les 73-51 de Rémi, du sud-ouest France, à côté de Saint-Émilion. Bon matin de ton côté. Wow. Oh là, il y a eu de la surmodulation. Les 73-51 Denis, de Rémi, à côté de Saint-Émilion, sud-ouest France. Ah, zut. Ok, waouh, c'est monté plein pot, la 59 de mon côté, les 73-51 retournés de Rémi, le sud-ouest de France à côté de Saint-Émilion. Et bon matin de ton côté. Environ 40 km à l'est de Ottawa. 100% QSL, donc tu es quasiment voisin avec Gilles 9 Bravo Charlie 555 qui est ici là sur la fréquence. Ton voisin, je disais, tu dois être quasiment, tu dois être voisin avec Gilles 9 Bravo Charlie 555 qui est aussi là dans le QSO. Ok, merci beaucoup pour le QSO également, je vais laisser la place parce que je suis pas sûr qu'elle ait tout compris, moi. Oh oui, il y a la cacophonie derrière. Ah bah ça va être foutu à jongler là.
Alors c'est là où je dirais que l'AM est pas mal du tout, parce que pour le coup, eh bien on écarte tout problème de pour clarifier. Mais bon, vu les distances, quoique ça ne veut rien dire, hein. L'AM peut passer sur les distances comme ça. Il suffit de descendre du côté des 40 canaux. Là, ça doit commencer à y aller. Là. Eh bien, tiens, aussitôt dit, aussitôt fait. Petite démonstration. Bon. Ben, c'est un raté pour ce canal-là. Ah. Voilà. Pour ceux qui découvrent, voilà ce qu'est capable de faire la M aussi. Comme quoi, les autres modes ne sont pas dédiés forcément qu'au local. T'es Santiago 9. Et si on descend bien plus bas en fréquence, sur les autoradios ou autres radios, les fréquences PO, GO, c'est en AM aussi. Hein. 9 plus 10. Tiens, en AM par exemple, mettez-vous là-dessus. Alors là, c'est plutôt le soir, la nuit. Et vous allez voir que ça passe très très bien. Oh, c'est moi qui ai devenu sourd ou ça a plongé d'un coup? Ok, d'accord. oui, je pensais qu'il était en QSO avec toi. C'est pour ça qu'à mon tour, j'ai répondu aussi. Hein. j'étais persuadé que, vu comment il est arrivé là sur la fréquence, j'étais persuadé qu'il était déjà en QSO avec toi. Les brésiliennes qui arrivent. Parler, parce
le métier est tout faire, mais là, il y avait à peu près 10 personnes qui parlaient en même temps. C'était incroyable. T'as pas la quadriphonie dans tes oreilles, Gilles. T'as raison, exprime-toi. Tiens, pendant que tu étais en train de parler via le web SDR de Montréal, Montréal-Ottawa, j'ai entendu des appels dans ta direction. Hein. En avant pour Gilles. Je ne sais pas si c'est Gilles, je ne sais pas si c'est Gilles, je ne sais pas où, mais il n'est pas content. Laisse-la râler, la brésilienne. Achi. C'est vrai que là pour être là, la propagande est là. Hein. Mais toi, autant tout à l'heure, là, tu m'es arrivé avec un super bon signal, autant que là, c'est descendu à Santiago 5, mais avec beaucoup plus de monde. Ouais, je suis à côté de la trappe, moi. 6. Santiago 6. Ah, mais j'entends que toi, hein. Voilà, tout à l'heure, j'ai eu Denis. Autrement, j'entends que toi, plus les Brésiliennes derrière. Ah oui, ok, compris. C'est sur le web SDR que j'ai entendu des EM de la 14 t'appeler. Ah, ils te font de la misère un peu, le Brésil. Ouais, mais on va lui donner un petit peu la ressource. On va lui donner un petit peu la ressource. Envoie-leur quelques brouettes de neige. Ça les calmera. Ah, c'est pas gagné. Bon, en tout cas, t'as vu, pour hier, ça a quand même fait 3 bonnes vidéos, hein, malgré tout. Hein. Ah ouais, non, mais ça arrive de partout. Ça arrive de partout. Depuis le temps que je te le dis que t'es une célébrité, quoi. On va faut dire que depuis de nombreuses années, tu peux être connu sur les ondes. Et l'autre qui s'excite derrière avec son string brésilien. Hachi. Ouais, non, mais je sais bien. Et quand on est le maître des ondes, faut forcément s'attendre à avoir une large assemblée de gens devant soi. Hein. Donc, tu as que ce que tu mérites, hein, autant de monde. Hachi.
9. Santiago 9 au maximum. Oups, désolé. Petit écho, vous avez entendu sur la gauche, c'est que j'ai deux WebSDR en même temps, Ottawa, Montréal, avec un décalage de volume, sinon ce serait encore plus dégueulasse. Les 73-51 de 14 km 33-01. Le Brésil qui fait sa démonstration de force. Tu passes bien sur Montréal, Jules. Ici. Il passe pas en direct. Alors, mon ami, c'est toujours
Il s'énerve. Donc 13 degrés et pluie ici. Zut. La Nouvelle-Calédonie. Eh bien. Oui, ben tu vois, moi, c'est toi, je suis rendu au quatrième contact. Tu as visité à 9h, c'est moi 10h ici, là. L'heure locale qui est celle. Comment? Ah, c'est pas sûr. Doucement sur le volume, Rémi. Mais ah non, c'est pas pour moi. Je l'ai perdu de tous les côtés. C'est bien dégueulasse. Je l'ai perdu. C'est un QRP derrière. Mec, mettez des filtres sur vos web SDR. Au moins des DSP, quoi. Ce serait pas mal pour un notebook en écoute. À moins que. Est-ce que sur le Wiki SDR, il n'y aurait pas ça des fois?
Ah, je crois que... J'entends plus rien. Zut, coupure vidéo, c'est chiant ça. J'avais qu'à fouiller sur le web SDR le plus tôt. Alors. Donc là, sur Kiwi SDR, vous allez sur audio. Vous sélectionnez, vous fouillez là, alors par défaut c'est mis sur off. Donc le bouton off, on le déroule. On fait les petits essais entre les différentes fonctions. Alors pour ma part, speak me plaît bien. Et juste à droite, on peut cliquer sur more. Et là, more donne accès à d'autres réglages. Réglage du gain, alpha. Active NSR. Donc là on peut jouer là-dessus. Et de l'autre côté, sur de gauche, et bien là aussi il y a plusieurs autres réglages. Ouais, je suis assez content de ma trouvaille. C'est vrai qu'on entend mieux là. Alors du coup, l'autre web SDR, voilà, maintenant je bascule sur Ottawa. Alors, je passe de off à speak. Alors là j'ai le volume du PC à fond. Tac, voilà. Thank you.
Donc là, là je suis sur deux voies SDR. Là je suis à fond du volume. Eh bien, je suis assez content de ma trouvaille. C'est là qu'on dit que j'avais qu'à regarder plus tôt. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Les conditions sont favorables.
Moi, j'ai un petit coup de doigt ici, là, bien ajusté, là, bien tiré, là. Et je vois que ça fonctionne à merveille, là. Je retourne en stand-by, je vais écouter. En direct. Les 73 du Sud-Ouest de France. Oui, oui, ben oui, oui. Mais là, je t'excite un petit peu, mais oui, oui, au plaisir de passer le cachot, Nicolas et tous les autres, la 14. Alors, ça, Gilles. C'est comme moi. Ils sont tous là, gars. Affirmatif, tout le monde m'arrive, là ça a baissé là, et tout le monde m'arrive comme une tonne de briques. Gilles, pour le web SDR, j'ai une petite info, j'ai une news là pour toi. Sur le web SDR, Kiwi SDR de Montréal, tu as un filtre DSP dessus qui permet d'améliorer vachement mieux l'écoute. Je te mettrai ça en message perso, Gilles. Je te montrerai ça. J'ai pris une photo, là. Je te montrerai ça en message perso. C'est propre. Ah, le petit écho, comme je disais tout à l'heure, c'est l'écoute sur deux WebSDR. La différence de distance entre les deux. C'est bon, ça, c'est propre. Ouais, incroyable. Ouais, la radio, c'est quand même mieux en direct. Hein. Thank you.
t'en soucie, hein? Et moi, ça me fait plaisir d'avoir une aussi bonne écoute. On s'améliore tous les jours. Pour le coup, je vais dormir avec. Ah, il faut que je le rapproche là, le filtre. Faut que je fasse un test. Vu que j'ai des soucis. Assez, essayez. Eh ben, j'ai plus rien qui passe dedans. Hein. C'est pas beau ça? On a des deux côtés le bruit là. Qu'est-ce que c'est que cette mitraillette? C'est là que je me dis pourquoi j'ai pas fait ces réglages-là plus tôt. Moi. Bon, la propague n'est pas là. On va profiter. On va profiter. Un max. Bon. Oh, je crois que j'ai compris d'où ça vient.
Ok, c'est bon, c'est revenu, ça s'est calmé. Des 73-51 à les stations, 14 km, 33-01 Rémy, Dundee 33, voilà, à côté de Saint-Émilion sur le sud-ouest de France. Voilà, ça s'est calmé. Hein. Ah bah là, pour le coup, tout le monde s'est marché dessus, là. Ouais, tout le monde s'est marché dessus, là. Hachi! Ok, merci pour autant de micro, surtout que là j'ai encore une meilleure écoute que d'habitude, c'est super, c'est génial. Je t'explique ça en message perso. Les 73-51 retournés de 14 km, 33-01 Rémy, voilà sur le sud-ouest de France. Ah ben j'entends plus. Ah ça y est. Ok, merci pour le retour de micro. Bon, je t'ai écouté sur le web SDR de Montréal. Voilà. Voilà, j'ai enclenché le filtre DSP là sur le directement sur Wiki SDR. Là c'est bon, j'arrive à bien te sortir là quand même, enfin suffisamment bien là sur le web SDR de Montréal. Tout ça retourné, les bandes 73-51. Ouais, ça fait yo-yo. Faut être rapide hein, pour faire le con. QSL, les 73-51 retournés également, 14 km 33-01 à lui, ainsi que 212 à son QRA. Trop de monde sur le web SDR de Montréal. Ah non, c'est que... Qu'est-ce que je fais? Ah d'accord. J'étais pas au bon endroit. J'étais sur l'autre web SDR de Montréal. Merci beaucoup pour le fait que tu es aujourd'hui. Au plaisir de t'y entendre. Bon ministre, mon ami Jean-Noël. Alors, il y a le web SDR de Ottawa. Attention pour Kéville. Attention pour Kéville. Il y a le web SDR. Il y a le web SDR de Montréal, Montréal-Laval, voilà exactement, et de ce côté-là.
Et là, j'étais sur le Web SDR qui est dans le centre de Montréal, ou quelque part par là. Et celui-là qui est dans le centre de Montréal, ça affiche un chrono de 1 heure, pas plus. Ça passe, il faut que ça casse. Je l'écoute via le Web SDR de Montréal-Laval. Les 73-51, lui, voilà, 14 km, 33-01, Rémi, à côté de Saint-Émilion, sur le sud-ouest de France. Thank you.
Ouais. Allô, d'un seul coup, je suis tout seul, j'ai peur. On l'entend à peine. Au point qu'on pourrait dire quel écho. Aïe, aïe. Bordel de merde, ça marche bien. Je me fais engueuler, moi. Pour le coup, sur la station, il y a du DSP dans tous les coins. Ces trucs Kiwi SDR, ça m'interpelle de plus en plus. Il faudrait une table de mixage là.
avec un curseur qui me permet de balancer de droite à gauche. Oh, c'est compliqué là pour lui là. Et du Canadien. Ouais. Peut-être. Vu l'accent. C'est le bordel de ton côté sur les ondes. Ouais, j'ai de la moustache moi ici. Ouais. Ouais, je disais que c'est le bordel de ton côté sur les ondes. Ok Roger, je vais mettre la caméra en charge pendant ce temps-là. Ouais, entendu, t'es de retour. Bon, tu verras dans, puisque là c'est Cannes, là, tu verras sur Messenger, je t'ai mis un message avec une photo. Et justement pour avoir aussi le DSP sur le web SDR de Laval Montréal. Et je peux te dire que là aussi c'est du bonheur là maintenant de mon côté. Hein. Là tu pourras voir ça là dans la vidéo. Pas au début de la vidéo parce que j'ai découvert en cours de route là. Et ça filtre. Hein. C'est là aussi ça filtre bien. Hein. Ok, tu regarderas Messenger. Ouais, tu regarderas sur Messenger. Lui, il peut avoir compris la France. Non, c'est qu'il y a du bordel de ce côté en fréquence. Voilà, là, t'es dessus, t'es en train de regarder. Ouais, voilà, voilà, c'est bien ça. Et c'est vrai que l'écoute est super, puisque dans les différents tests là, que je me suis amusé à faire, j'ai même coupé le poste à un moment donné, et c'est vraiment propre. Toi, du coup, là, dessus, j'arrive à avoir une écoute presque aussi propre que sur le BHI SDR, comme tu as. Les réglages sont pas mal dessus. Hein. Et pourtant, ils ont toujours été, hein, mais ça fait que simplement que là, aujourd'hui, que je découvre. Oh, Santiago 7, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Oui, 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 la vie à grand, ça remonte. C'est pas comment tu fais le cœur, s'il vous plaît, bonjour mon ami, tu l'as de bras ou Kaori. C'est 55 en compagnie de 14 km 301.
existe la vivante. Le département 17 à la main. Pardon. Oui, je retourne le micro, le département 17 pour le Québec. Et l'autre, il est tout surpris. Je suis à fond, là. À fond du volume. En train de faire une petite vidéo de démo là pour Gilles. Non, 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 allez pas refermer la porte. Ah ok, désolé, j'étais en train de faire une petite mini vidéo. J'avais coupé le poste là exprès pour te faire une démonstration directement sur le web SDR. Et du coup j'avais pas entendu le retour du micro, désolé. Les 73-51 retournés, 14 km 33-01, Dundee 33 à côté de Saint-Émilion. Je suis comme d'habitude au niveau réglage du web SDR. Comment dire ? Putain, mais ça a sacrément baissé là par contre. Hein. Ouais, j'ai juste eu le bip. Ah si, non, non, c'est toujours bon alors. Je croyais que la propague, moi aussi, toi, j'y crois que la propague avait baissé là pour le coup. Et ben non, 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 c'est les OM qui sont partis sur d'autres fréquences. Bah, ils ont raison, hein, faut bien naviguer un petit peu à droite à gauche. Hein. D'ailleurs, à propos de naviguer, ce matin, à toi, le matin, nous ici en France, c'est complètement différent des matins chez toi. Ici en France, au niveau propag, c'est surtout au niveau de l'Europe, pays de l'Est, tout ça, c'est surtout à FM et surtout les stations locales aussi du côté des 40 canaux. Voilà comment c'est. Et là, tu verras, là, au début de ma vidéo, j'ai bien, je sais plus, 10 minutes, je sais plus trop, quelque chose comme ça, de vidéo du côté des 40 canaux. Mais là où je suis, on va dire que j'ai un petit problème, c'est que je suis loin de tout et dans une cuvette.
Et ce qui fait que du coup, eh bien, les stations locales qu'il y a du côté de Bordeaux, autrement dit à 50 km d'ici, j'ai du mal, mais vraiment du mal à les entendre. Alors tu verras au début de la vidéo, je me suis baladé un petit peu sur les 40 canaux et tout, ça attaque. J'ai entendu des appels mais trop furtifs. Et en plus c'était au moment où j'étais en train de bosser la sortie vidéo. Alors je me suis abstenu de prendre le micro pour pouvoir avancer au plus vite sur tes vidéos. Hachi trois coups. Bon, d'accord, bah, t'écouteras la vidéo pour voir les conneries que je t'ai dit. Là, je viens de t'envoyer, tu verras ça plus tard, je t'ai envoyé une petite vidéo là en message perso, là sur Messenger. Il est là. La propague, elle est tombée de la chaise. Là, toi, elle n'est pas tombée de la chaise, la propague, hein, elle est toujours là. Hein. Du coup, j'ai pas regardé où j'en suis au niveau vidéo. Alors, autant Gilles, il fait des vidéos légères. Il est en 640 pixels, un truc comme ça, ce qui est bien. Ouais, je crois que c'est ça. Ce qui est bien suffisant. Et moi, sur ma caméra, là, les deux même, je suis au minimum. Et le minimum, c'est déjà 1224. Ah, il m'en faudrait la moitié. Alors, du coup, quand je fais des vidéos trop lourdes, eh bien, ça fait bugger le logiciel. Déjà qu'il est sous Windows. Ah, pour info, le logiciel que j'utilise, qui est très bon, hein, c'est un vrai couteau suisse, hein. C'est Videopad. Bon, c'est un logiciel payant, comme on peut s'en douter, pour un bon logiciel. J'ai rien contre le gratuit, bien au contraire, hein. Mais avec les capacités de Videopad, j'arrive pas à trouver l'identique sous Linux. Et là, ce coup-ci, la porte s'est refermée ou c'est pas refermée? Eh bien, je te confirme que non, c'est du 56, hein, tu m'arrives là. C'est... waouh, c'est... Non, c'est les EM qui sont plus là, ouais. Oh, je l'ai pas entendu. Thank you.
12 au kilovolt Pascal. Il est à 751 de Pascal, c'est 11 ou 25. Ok, je l'ai entendu via le web SDR. Maintenant que j'ai trouvé comment mettre un DSP, comment enclencher le DSP sur le web SDR, je m'en prive pas. Quoi. Là, je vais saouler le monde avec ça. Quoi. Les 73-51 Pascal, de la part de 14 km, 33-01, Rémi. Oui, oui, j'ai entendu, mais lui, par contre, je ne l'entends plus. Hein. Alors, je l'ai entendu tout à l'heure, hein, il n'y a pas de problème, mais là, de suite, je ne l'entends plus. Oh putain, bon, ça ne marche pas. J'ai voulu lui faire écouter le DSP, mais c'est pas bon. Il a dû tomber de sa chaise, hein, je l'entends plus du tout. Alors, 624.96. Ah, le revoilà, le revoilà, le revoilà. Oui, Pascal, tu m'entends là sur le web SDR? Oh, c'est pas évident. Oh putain, il y a une espèce de cacophonie là-dessus, c'est même pas la peine. Quoi. Bon, j'ai entendu Pascal là, très très brièvement au milieu de la meute de Brésiliens. Mais bon, là je le sors plus. Hein. J'ai l'impression que toi là t'es parti au fond de la boîte. Ah si. Tu es sur le 624-96. 624-96. Ok, là c'est mieux ou. Oh la vache, c'est monté, j'ai reculé là pour le coup. Là. Tout est remonté, aussi bien en fréquence qu'au niveau volume. Ok, là c'est mieux. Ah ben, ne touche plus à rien. C'est tu touches même plus au micro, tu touches plus le secrétaire, tu touches plus l'ordinateur, tu touches plus rien, tu laisses ça comme ça. Non mais je plaisantais, tu peux reprendre le micro, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est la propa qui est en train de nous faire un coup. Là. Ah, ouais, la propa qui est en train de nous jouer un tour. C'est très QRP là, d'un seul coup. Et moi qui ai surmodulé quelqu'un. Un double double bip.
Désolé, j'étais en train d'écouter une connerie sur sur internet. Ah, juste, oui, je t'ai eu en stéréo là. Je me demandais si ce coup-ci là, c'était pas pour de bon là. Enfin, pour aujourd'hui. Ça fait comme tout à l'heure là, quand la propague est montée, là, quand la porte s'est ouverte, autrement dit au début là, des vidéos, ça faisait pareil. Puis paf, après c'est passé plein pot, et là tu vois, là on dirait que ça refait la même chose mais dans l'autre sens. Et pourtant, alors ici il est que 17h55. Ouais, il y a encore de la marge. Enfin, vu la tendance en ce moment, quoique. Le soir, ou plutôt pour toi, l'après-midi, ça va jusqu'à quelle heure comme ça la propague? Oui, c'est ouais, oui. Plusieurs stations qui signalaient là, que les taux, avec la permission, on avait en faire rentrer. Le département 17, c'est noté. 14, Sangouli, Marcelli, 012, le département, 12-73-51. Il m'en fait presque ouais, il m'en fait un peu vibrer le haut-parleur. Ah. Cette voix. Cette voix, ça me parle. Je connais cette voix. Oui. J'ai pas entendu la question. J'étais en train de répondre justement à Laurent sur ton groupe CB, il est un francophone. Non, j'étais en train de répondre à lui, du coup j'ai pas écouté la question. Il passe un petit peu. Hein.
Ah, ok. Du coup, j'avais pas eu compris que tu m'avais retourné le micro. Alors, je l'ai entendu, mais très, très QRP. Hein. C'est vraiment du très, très QRP et à peine audible. Sacrément, puisque là, alors je sais pas, je vais essayer d'approcher le micro du haut-parleur. Ah non, c'est grésille, ça fout la merde. C'est, voilà, c'est, j'ai un espèce de retour de station, de nombre de stations de ton côté là sur le web SDR de Montréal-Laval. Et Ottawa, puisque j'ai jumelé les deux, mais bon, au niveau volume, je l'ai mis davantage sur Montréal. Mais c'est... Ah oui, tiens, je m'entends en retour dedans. C'est en train de monter. Ça monte. Hey. Tu sais que malgré que là, ça m'a fait un Santiago, tu m'as fait un signal de autour de 5, mais en radio, c'était du 5 plus, hein, parce que j'ai le haut-parleur qui a vibré un peu. Hein. Ah, là, c'est descendu à 3. Oui, juste avant, j'ai le haut... Non, pas moi. Ah, bonjour, le sous-entendu. Non, le haut-parleur du poste, il a vibré un peu. Quoi. C'est connerie, gars. Il passe en direct. Mais bon. Dans le DSP avec. Ah, ça fait le yo-yo. C'est de quel côté? Le maître des ondes a parlé. Justement, dans la blagounette, cette image, elle est revenue là dans tes vidéos. Ah ben, je crois que j'ai dû la mettre dans la mienne aussi, dans celle d'hier. Et je crois qu'elle va revenir dans celle d'aujourd'hui. Les gens, ils vont dire, et tu les fous, tout loin.
Non, ça déconne. Pourquoi trop se prendre au sérieux? Ça sert à rien, quoi. Je vois, moi, des gens, mais quand ils font de la radio, quand ils font de la CB, on dirait qu'ils sont en pleine transmission militaire et tout ce qui s'ensuit. Ou là, c'est attention, hein, faut pas que ça déborde, ceci, cela et tout, ça, faut que ça soit. Oh là 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 là. Et la CB, ça se pratique de façon décontractée, hein. Ah mais de toute... Ah ben non, c'est toi que j'ai entendu dans le voix baissière. Oui, non, mais de toute façon, pour ma part, hein, je ne conçois pas la CB autrement. Hein. C'est... Sinon, ça ne m'intéresserait pas, hein, c'est sûr. Hein. C'est... Alors, tiens, ça me rappelle une anecdote, ça. Il y a quelques années, il y a eu un OM qui... sur un forum qui n'existe plus, hein, depuis... Il est où? Il est là. Il est où? Il est là. Il est où? Il est là. Hé Louis, tu m'entends via le web SDR ou en direct? Bon, je dois avoir des stations qui modulent là de mon côté, là pas loin, là sur les ondes. Et pour faire du local à 10-20 km, ils y vont à grands coups de centaines de watts. Et du coup, là, ça me moustache à fond, quoi. Bon Gilles, je vais passer en QRT, je vais arrêter les vidéos en même temps, je vais me mettre au travail. Parce que là, je crois que je suis en train de dépasser ce que l'ordinateur va pouvoir supporter en poids vidéo. T'as de la chance, tes vidéos sont hyper légères. Hein, que là, de mon côté, elles font le double de poids carrément, déjà d'entrée. Quoi. Donc je vais me mettre au travail et puis bon, ça prend vachement de temps. Tiens, pour une petite anecdote, j'ai passé ce matin, je me suis mis au travail sur tes vidéos vers 7h30 par là. Midi et demi, je mettais la troisième où je commençais à partager tes vidéos. Hein. Donc là, voilà le temps que ça prend, quoi. Et là la mienne, c'est pareil. Hein. Là, ça va me prendre un bon bout de temps, même si déjà toute la partie préparation du départ est presque entièrement finalisée. Il reste juste deux conneries à rajouter au début, mais après c'est tout le reste que je retravaille. Donc je vais te laisser, Gilles. Les 73-51, merci encore pour ces QSO. Demain je travaille en nuit. Je sais même plus où. Hein. Je sais plus si j'embauche à 21h ou à 19h. Bon, si c'est pas 19h, c'est 21h. Non, je crois que c'est 21h, je sais plus. Bon, bref, allez. à demain, si vous le voulez bien. Ah oui, et puis en plus là pour toi il est l'heure d'aller grailler parce que il est midi 10 là chez toi là. Ok, allez, bon gastro solide pour toi et à plus tard. Merci, ainsi que les stations qui sont derrière la porte, qui écoutent bien le web SDR, les 73-51 retournés de la part du groupe des Tannants.
C'est pas le français. Attention, Daniel pour Dindy 33 qui t'appelle. C'est pas gagné là. Attention, Daniel pour Dindy 33 qui t'appelle. Oh bah, c'est même pas la peine. Bon, c'est dans la vidéo, vous êtes témoin. Elle chie trois coups. Ah, il y a le Québec-Canada, il y a tout ça là, qui se rejoignent, enfin des OM du Québec-Canada. Ça qui est USA, bien entendu, qui se rejoignent là. Alors, ceux qui pratiquent la CB de façon trop sérieuse n'ont pas leur place ici. Ou plutôt, c'est pas la peine de venir ici. Alors, c'est le canal 26. On me l'a fait connaître là il n'y a pas longtemps. Bon, j'étais censé avoir fini moi avec les vidéos. Je l'ai. Et j'y vais. Tiens, le Québec en AM. Ils sont du côté de Montréal.